Au début du XIVe siècle, dans le centre-ouest de cette étendue de terre que l'on appelle à présent Afrique, se trouvait un petit royaume, le royaume de Vungu. Le peuple aimait son roi, Nimi Apanza. Par sa gouvernance, ce pays ne cessait de se développer et les habitants connaissaient une abondance dans différents commerces. Mais par la fatalité, la maladie vint tourmenter le souverain. Les chefs de clan se réunirent sans trop ébruiter les gens de la capitale, de peur que l'infortune ne s'abatte sur le pays. Ainsi, la vie suivait son cours, sans imaginer le pire. La société matriarcale du royaume de Vungu déterminait les héritiers du trône par la reine issue du clan souverain. L'épouse principale du roi, Kanda wa Vungu, avait enfanté 4 princesses qui ne pouvaient prétendre au trône. Les chefs de clan nommèrent alors Nimi Anzima, le dernier frère de Nimi Apanza, en tant que roi régent. Sans expérience ni formation dans la gouvernance, Nimi Anzima décida de consulter sa belle-sœur, Kanda wa Vungu, qui avait quitté la capitale depuis plusieurs lunes. Longue vie à vous, mère du peuple Vungu et des contrées avoisinantes. Fanda, prends place, je t'en prie. Tu es trempé? Comment les gardes t'ont-ils amené jusqu'ici? N'ont-ils pas pris les précautions nécessaires? Ne vous en faites pas pour cela, maman Kanda. Nous voulions partir discrètement et c'est la pluie qui a surpris notre course. Voyons cela comme un bon présage pour nos récoltes. Mais je m'inquiète davantage pour vous. Vous êtes logé ici depuis plus de 3 mois. Toute la cour s'interroge. Et Nimi Apanza, il est encore très mourant. Il a besoin de vous à ses côtés. Tikabiso. On dit que c'est le meilleur vin de la région de Mbata. Ton frère, Panza, n'aime pas ce genre de boisson. Ni le Lokoto d'ailleurs. C'est toujours difficile, tu sais, lors des cérémonies organisées par les nobles de la cour. Il n'ose pas refuser, alors il fait semblant de boire. Et jette le reste à terre. Pourtant, le guérisseur de la cour m'informe que son corps est imbibé d'alcool. Yaya, ton frère va bientôt nous quitter. Ce qui fera de toi le Tino de toute la province à part entière. Nimi Apanza est tombé subitement malade. Et il m'a laissé tant de choses à apprendre. Et en si peu de temps. La région du sud que je régis actuellement est constamment pillée aux frontières. Si ce n'était pas des conseils du clan Zhao, nous aurions perdu des terres. Tu as été choisi, Nzima, parce que tu es capable. Mais méfie-toi des chefs de clan. Plusieurs ne soutiennent plus ton frère, Panza. D'autres se réjouissent même de son état de santé.
dans le clan des Mpanzo. Les Konzo n'ont pas apprécié d'être choisis pour la guerre de l'Est. Pourtant, ton frère a essayé de faire une armée la plus équitable. Mais il n'a plus tellement d'anciens derrière lui. Toute cette responsabilité. Déjà en tant que régent, je la sens lourde à mes épaules maintenant. Nimi Anzima, frère du grand souverain Nimiya Panza, descendant du grand Sasukulua Kanda Yaka. Tu seras un très bon chef, mais ne te laisse pas envahir par le doute ou les inquiétudes. Kobangata Mukete, ni devant le clan de ta femme, ni devant le clan royal, et surtout pas devant les anciens de la cour. Ils pensent faire la loi parce qu'ils t'ont choisi, mais ils seront tous assujettis et soumis à ton autorité. Tu m'entends ? Tous vos conseils sont précieux aux mamans du peuple. J'ai encore besoin de vous à mes côtés. C'est la raison pour laquelle ton frère m'a fait venir ici. Crois-moi, Yaya, je voudrais être à ses côtés. Mais je dois être protégée. Ils voudront m'enterrer avec Panza pour me faire taire. Ton frère m'a tout confié. Les complots, les trahisons. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Yaya, tu ne peux pas les laisser faire ça. Ma reine, confiez-vous à moi. Je ne vous abandonnerai pas. Il arrive, l'héritier du trône.